Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. J'y suis retournée parce qu'il me fallait deux trucs et je suis sortie avec pas les trucs qu'il me fallait du coup, mais avec autre chose parce que il me fallait de nouveau des petits cubes en bois et il n'y en avait pas. Mais du coup, ben, je me suis rabattue sur autre chose. Donc, j'ai acheté de nouveau, il m'en faut, un bandeau LED de 1 mètre comme ceci, qui éclaire blanc, mais après quand on les peint avec du vernis à ongles, ça éclaire de la couleur que vous voulez. Voilà. Ensuite, donc c'est un spécial, on va dire, loisir créatif. Il y a d'autres trucs non loisir créatif, mais je vous fais déjà le loisir créatif. Ensuite, j'ai repris des rouleaux de scotch strass, comme ça. Voilà, j'avais trop envie de les reprendre, ces rouleaux-là. Donc j'ai pris argenté et j'ai pris juste deux en rouge, comme ça. Alors ensuite, j'ai voulu prendre, pour un bricolage toujours, trois paquets de paille en bambou. Donc il y en a 10, donc bah, j'en ai 30. Voilà. Toujours pour des créas. Ensuite, j'ai trouvé ces petites perles avec l'alphabet dessus. Voilà. Ensuite, mon fils a déjà joué avec une paille en bambou. Voilà, ça lui a plu. J'ai pris des gants, en fait, comme ça, de vaisselle, pour faire, vous allez voir, dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire un truc. Voilà. Donc, c'est pour mes loisirs créatifs, hein, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai trouvé des cadres en relief, donc c'est des cadres très profonds. J'ai pris doré et argenté. Donc en fait, ils sont profonds et c'est pour faire une light box. C'est pour ça que j'ai aussi besoin des strass et du ruban LED. Voilà, ça va être magnifique quand j'aurai le temps de le faire, bien évidemment. Donc les gants, j'ai montré. Ça, j'ai pas montré, mais ça c'est à la fin. Parce que c'est de la déco. Ensuite, ben, j'ai pris des plateaux miroirs comme ça. Voilà. Donc j'en ai pris deux carrés. Parce que des miroirs comme ça, c'est pas perdu. C'est pour faire vraiment mes bricolages. Et j'ai pris deux plateaux ronds. Comme ça. Voilà. J'en ai besoin. Je vous avais déjà montré une créa en résine avec un plateau comme ça. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite. Peut-être que je la mets en barre d'infos. Sinon, vous fouinez dans mes vidéos bricolage, quoi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris du papier de masquage, en fait, comme ça, adhésive. Imitation bois parquet. Il y avait plusieurs sortes de bois. J'ai pris celui-là. Et j'ai repris marbre. Voilà. Donc ça va être chouette pour recouvrir le truc de ma salle de bain. J'ai envie de mettre ça sur ma salle de bain. Non mais c'est super beau en fait. Je sais pas, je vais peut-être mettre le marbre. Ça va plus avec le blanc. On verra. En tout cas, voilà, j'ai ça. Ensuite, toujours pour mes créations, j'ai pris une horloge comme ça parce que je vais la démonter et je vais faire un truc super chouette avec. Et pour le prix, en fait, même si je m'en sers pas, je veux dire, il y a quand même le mécanisme qui coûte pas très cher parce que quand on commande ou quand on achète juste le mécanisme, et ben chez Action, ça revient au même prix que l'horloge en entière. Donc même s'il me fallait que le mécanisme, par exemple. Et ben voilà, mais normalement il va tout me falloir et ça va être super joli si mon projet aboutit parce que j'ai plein d'idées là, ça fuse dans ma tête, je suis obligée de prendre des notes tout le temps et voilà quoi. En même temps, j'ouvre voilà. Et ces papiers là, je vais les mettre après à la poubelle. Ça va faire magnifique quand il y aura ma lightbox et tout. Ouh là 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 là, j'ai hâte de faire des créas. Hâte, hâte, hâte. Ensuite, toujours pour mes loisirs créatifs, attention,
J'ai pris des sets de table, donc j'en ai pris de cette couleur-là. Donc ceux-là, ils sont très très fluides, enfin très souples, pardon. J'ai pris des un peu plus épais, comme ceci. C'est hyper beau. Et voilà, ça me donne trop envie de bricoler. J'ai pris encore un comme ça. Voilà, en set de table pour mes loisirs. J'ai pris un bleu canard. Je trouvais la couleur trop jolie. Il y avait vert encore, mais je ne trouvais pas joli. Mais là, le bleu canard, il est magnifique. J'ai plein d'idées avec ça. Vous imaginez même pas les idées que j'ai avec ça. Mon Dieu, ça va être trop top. Et j'ai pris un en 6 mm ovale, donc il est de cette couleur-là, donc blanc sur ce côté et bleu clair sur l'autre côté. Voilà, 6 mm. Ils sont pas chers, hein, franchement, parce que si tu achètes au mètre du 6 mm cuir chez Mondial Tissu, mais tu en as pour une blinde. Là-bas, tu te prends des sets de table et tu peux faire tes pochettes avec, tes porte-monnaies, tes... Enfin, plein de trucs, quoi. Donc, voilà, vaut mieux acheter. Pareil, les plaids. Si vous achetez le tissu au mètre chez Mondial Tissu, c'est une petite idée. Maintenant, vous allez payer, je crois, 6 euros le mètre de plaid, en fait. Enfin, de matière plaid. Vous allez chez Action, vous avez pour 4 euros. Ou des fois, quand c'est en promo de la semaine, t'as pour 2 euros, mais 1,50 m sur 1 mètre. Un plaid, quoi. Donc tu peux t'en servir comme tissu. Moi, c'est comme ça que je faisais pour acheter mes tissus matière un peu polaire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, polaire. Et ben, t'achètes un plaid chez Action, ça te revient 10 fois moins cher que si t'achetais au mètre chez Mondial Tissu, par exemple. Voilà, donc petite astuce, ne me remerciez surtout pas. Ensuite, ben voilà, pareil, ces sets de table là, j'ai trouvé magnifique pour mes bricolages que j'ai en tête. Mais mon Dieu, que j'ai hâte d'avoir le temps de faire ça. Et j'ai pris, ben là c'est pareil, un 6 mm cuir. Donc c'est, ils appellent ça un chemin de table. Donc c'est 45 x 150. Donc il y a 1,50 m sur 45. Écoutez, regardez-moi ce chemin de table en 6 mm cuir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je les paye moins de 3 euros. Alors que chez Mondial Tissu, tu achètes un 6 mm cuir comme ça. Franchement, honnêtement, tu en as pour 7 euros. Sans mentir, tu en as pour 7 euros. Alors que là, et en plus, je l'ai pris brun. Il y avait vert d'eau, il y avait bleu, il y avait plusieurs couleurs. Là, je l'ai voulu en brun pour faire un bricolage, en fait. Oh là là, j'ai tellement hâte avec ces petits 6 mm cuir. Donc voilà, ça t'évite d'acheter du tissu en fait. Il faut détourner les objets. Il te marque chemin de table. Ben non, en fait, toi tu le prends pour du tissu. Voilà, trop bien. Attendez, je vais en ouvrir un comme ça parce qu'ils sont tellement jolis ceux-là. Un peu cuivrés comme ça, c'est trop beau. Ils sont trop magnifiques ces sets de table. Regardez-moi ça, les deux couleurs un peu cuivrées comme ça. Oh mon Dieu, ça va être beau. Ouais. Ça va être trop trop joli ça. Oh mon Dieu. Regardez, je viens de le plier comme ça. J'ai une idée de couverture de livre. Ça serait magnifique une couverture de livre comme ça. Ils sont trop beaux. Donc voilà quoi. Ensuite, toujours dans le loisir créatif, je me suis pris un chemin de table, pareil, comme ça, noir. Donc j'avais pris pour le baptême argenté d'Alessio, donc le baptême d'Alessio argenté et blanc, il me semble, ou doré, je sais plus. Mais là, je l'ai voulu en noir. La dentelle est pareil. J'ai plein d'idées avec ces petites fleurs là. Ça fuse dans ma tête. Vous imaginez même pas comment. Voilà, regardez ces motifs. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer le motif. Trop beau. Donc c'est matière un peu plastifiée, comme ça c'est du plastique. Voilà. Ben, j'en ai des trucs sur la table. Ensuite, j'ai pris des pinces à linge quand même assez fortes. Donc ça pareil, c'est pour mes créas quand je dois tenir du tissu ensemble.
J'avais plus de pinces à linge correctes. Et du coup, celles-ci, elles sont trop bien. Parce qu'elles sont grosses. Elles ont une bonne prise. Et un bon serrage, en fait. Vous voyez, ça serre vraiment très, très fort. Donc, ça me sert, en fait, de serre-joint. Quand j'ai des créas à faire, par exemple. Voilà, ça les tient super fort. Ça reste vraiment en place. Ils sont géniaux, ceux-là. Vraiment, il m'en fallait des forts comme ça. Pour quand je... Par exemple, quand je vais faire un truc maintenant et qu'il faut que je tienne deux trucs ensemble, par exemple, et ben hop, je plie en deux et je maintiens comme ça, voilà, pour me donner une idée en fait de comment coller l'autre partie. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc c'est un pince-à-linge trop génial. Je parle un petit peu doucement parce que j'ai mis mon petit bébé à la sieste. Donc voilà. Et comme ça, j'en profite pour faire mon haul action. Ensuite, on passe ça. C'est pas dans le loisir créatif, mais j'ai voulu avoir cette petite brosse. Parce que chez moi, j'ai une table avec des petites rainures. Et à chaque fois, hop, je vais enlever les petites miettes qui passent dans les rainures. C'est vachement pratique, cette petite brosse, en fait. Elle passe partout. Voilà. Ensuite, j'ai pris un lot d'éponges, comme ça. J'ai pris des sets de table verts comme ça, donc j'en ai pris 3. Et ça, ça va me servir à faire ma déco de Pâques. Voilà mon petit chemin de table de Pâques parce que ça fait imitation herbe. Donc ça sera le support en fait où je vais poser mes lapins, mes œufs et tout ça. Donc je trouve ça super joli, ce petit set de table pour Pâques. Ensuite, j'ai craqué sur une super jolie lanterne, comme ça. Voilà. Elle est trop belle. J'ai hâte de voir comment ça éclaire là les côtés et tout. J'adore les lanternes. Je vais la mettre là sur le miroir. Ça va être trop joli avec une bougie dedans. Et j'ai pris, je voulais depuis longtemps, longtemps, longtemps et j'en trouvais pas. Et là j'ai dit, ah il y a le noir, ça y est. Parce que je vais changer, vous voyez le coussin là-bas, ça faisait plus automnal, un peu foxy, la couleur un peu... renard comme ça, c'était super joli, mais roux, ça va. Mais maintenant, voilà, j'ai le plaid noir, là où il y a mon gris-gris dessus. J'ai la couverture léopard. Et avec un coussin noir, voilà, ça ira. Bon, celui-là, je vais le mettre au lavage parce que d'une, il est hyper électrique. Et de deux, je préfère que ça sent bon, la lessive, quand je m'allonge un petit peu sur le canapé. Voilà, j'ai aussi pris une grande caisse chez Action pour ranger mon appareil à raclette. Mais il rentre pas dedans, je me suis trompée dans les mesures, donc c'est pas grave, hein. La caisse elle est pas perdue, forcément je vais ranger des trucs dedans, mais je prendrai la prochaine fois une taille au-dessus pour ranger mes affaires. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Ouais, et sinon un petit truc vite fait aussi, j'ai commandé sur AliExpress et je les ai reçus aujourd'hui. J'ai commandé des pièces comme ça, donc des moules en forme de puzzle. Donc il y a plus petit au plus grand, il y a grand, moyen, petit. Voilà. Et j'ai aussi commandé ce tampon-là. Voilà. Et un moule à boucle d'oreille pour la résine. Voilà. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille aussi acheter à Cora du plâtre, parce qu'il me refaut du plâtre. J'ai envie de faire une créa là, ça me démange, donc voilà, bref. Le petit il est à la sieste et moi sans plus tarder, je vais aller faire une petite création.